راشي تولى لي جروب كاين دي فون الجروب لا جي اس كان وزرا غادا شي سما غادا غيدهني دونك ويت لي رونسين مو غاف في الليسن امكيدنا لا فان انك سيت سيت ان جروب كي سبورتيفمون كي جوابل دونك وي Et Neid aussi que l'équipe elle peut jouer les deux premières places, c'est-à-dire elle peut jouer la qualification au quart. Voilà, donc l'équipe elle a, et Neid, l'équipe elle a les possibilités. C'est jouable dans la mesure où mais voyez que c'est certes c'est un style différent, mais parce qu'il y a pratiquement tous les styles mis à part un peu. Berkani qui reste une qui est un petit peu dans le même registre que le style maghrébin. Oui. Et sinon tu as un peu le style zimbabwe, mais la zambien qui est un peu physique, ce qu'on appelle un peu communément le jonglais. Et tu as un peu les camerounais qui allient technique et physique. Oui. Voilà un peu le groupe qui est plus ou moins équilibré. Donc la Jiska. Il aide aussi le fait qu'elle ait son expérience, elle peut, jusqu'à travers son expérience qu'elle a déjà un petit peu acquise, ça peut lui permettre d'avoir de bons résultats. Ouais. Pour ce qui est de Kamal Abdeslam, ça sera difficile, mais bon, on jouera match par match, mais ce qui sera difficile un peu, c'est, si tu veux, le calendrier, parce que la Kazan, sur les 6 matchs, à Relaven, 4 ils vont se jouer au mois d'avril, avec pratiquement Dermdan. Donc, Arnouyès, la Coupe d'Afrique, Arnouyès, le championnat, Arnouyès, Tmselatas, donc les matchs de retard, toute une programmation qui pourrait leur faire du mal, voilà. Mais sinon, il n'est que c'est jouable. Oui. Maintenant, concernant l'équipe du Coton Sport, la Jiska l'a rencontré 3 fois, et les 3 fois, c'est en 8e de finale. Et la Kazar de Balik, le Coton Sport, il a éliminé la Jiska la Coupe de la CAF en 2003. C'est-à-dire, parce que la Jiska sera pour jouer, pour essayer de remporter un 4e titre continental en Coupe de la CAF. Contre l'équipe aguée du du Coton Sport, on a été éliminé. Alors, on a perdu 2-1, 0-0. Et puis, on s'est retrouvé en Champions League en 2007. On a perdu sur le total des 2 matchs, 1-0-2-0. 1-0, on a perdu 2-0. Et enfin, la troisième fois, c'était en 2008. C'était toujours en Champions League, en 8e de finale. Nous sommes 3-0 d'Ena, avec 2-1. Et à cette époque-là, l'entraîneur du Coton Sport, c'est bien Denis Lavagne. Donc c'est Lavagne qui était l'entraîneur. C'était Lavagne qui était entraîneur du Coton Sport, oui. Donc Lavagne connaît bien l'équipe aguée du Coton Sport puisqu'il boit 5 titres de champion. Voilà. Et il a remporté 4 coupes du Cameroun. Et il a atteint à Sgwesni 2008, il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a été éliminé par le Raja de Casablanca. Voilà. Voilà concernant le Garois. Concernant l'équipe aguée de Berkane, l'équipe marocaine, en 2019, elle a atteint la finale de la Coupe de la CAF, en 2028. Oui. Je sais qu'au vu de mes recherches, c'est une équipe qui recèle, recèle 8 joueurs qui ont fait
le dernier chan c'est-à-dire on est à peu près dans la même configuration que le Mali, stade malien. Que le stade malien. Oui. Et mais aussi ça a une, quatre joueurs de la sélection A des Lions de Matras. Et ils ont une ils ont deux, trois internationaux burkinabés. Voilà un peu l'effectif de cette équipe de Berkane. Bon, elle n'a pas été la prise, je crois, la Coupe du Roi. Elle a été finaliste, mais elle n'a pas été tellement, elle n'a pas été souvent au devant, même si cette année elle est en train de revenir, pas en tout récemment. Depuis le début du championnat, elle était leader. Elle a occupé comme un place de leader. Et par contre, l'équipe de la Zambie, bon, on ne connaît pas grand-chose. Ouais. Je sais qu'ils ont remporté une seule fois la Coupe de Tanzanie en 2012. Voilà un peu, voilà un peu ce que je peux te dire de ces équipes-là. Mais bon, le problème qui va se poser pour la JSK NEAC, c'est le problème de la compétition elle-même. Parce que ça sera pratiquement une fois par semaine, ce sera aller-retour. Et entre-temps, il faut faire la Coupe de... Il faut jouer la compétition locale. Absolument. Plus la Coupe d'Algérie, la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Et non, parce que moi, je t'ai dit, déjà, Orna, ils n'ont même pas, on ne sait même pas, mais ça fait que la phase d'aller, mais les matchs de retard, c'est toute une gymnastique à laquelle la JSK est soumise. Voilà, un peu, mais enfin, pas que la JSK, toutes les équipes qui jouent la Coupe d'Afrique et Ligue. Mais sinon, le plus important, c'est qu'on a évité l'Orlando Pirate. Voilà. Parce que l'Orlando Pirate, on l'a évité. C'est-à-dire que ça aurait constitué des trucs supplémentaires, des tracasseries supplémentaires. Absolument. Surtout que si entre-temps, l'histoire de la Covid n'a pas encore... Et ces variants n'ont pas encore trouvé de solution... Il faut aussi espérer, Inch'Allah, on va au quart de finale, espérer de ne pas rencontrer Orlando Pirategui, parce que Manada, normalement, on risque de jouer le premier, Manada premier, on joue le deuxième du groupe A, Manada deuxième, on risque de jouer le premier du groupe A. Donc, il y a un problème. Donc, pour Sétif. Sétif, c'est un 67. Sétif, quand même, n'est pas d'abord, ils ont Orlando Pirategui. Voilà, Orlando Pirategui. Il reste quand même une référence au niveau mondial. Ils ont aussi l'équipe d'Inyemba du Niger. Nigeria plutôt, et tu as aussi le Ali de Benghazi qui reste quand même une équipe difficile parce qu'elle vient d'éliminer l'une des meilleures équipes sud-africaines aussi, sud-africaine. Voilà. L'équipe Ni Monde Sport, c'est qui risque quand même. Monsieur Ni Monde Sport, Ascara. Du Zaïre, la République du Congo. Enfin, l'une des grandes équipes du Congo. Du Congo, Kinshasa, la RDC. Oui. Donc, quand même, et puis, en Irak, le football libyen. Il ne nous réussit pas trop. Mais vous voyez que l'équipe guide, les Libyens, ils ne réussissent pas trop aux équipes algériennes. Souvent, on a eu des problèmes avec eux.
Oui, hein. مش في النور دي سعدي غلبة نافيقيا بك الأهلي تريبولي ها دونك وي هي دونك فوالا ان بو وا 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 مش ما با صارت في كيلكز اني سا مي 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 غلبة نا فوالا ان بو مي بون ماتونو rien n'est définitif, mais normalement, bon, je sais qu'ils sont en train de tout faire pour que, pour que la phase de poulet qui se joue avec Orna Tizi Ouzou. Mais sinon, j'ai appris qu'ils vont jouer ça au 5 juillet. 5 juillet, hein. En principe, la Giska a arrêté la date, elle a arrêté le stade du 5 juillet pour recueillir ses adversaires pendant les poulets. Il n'y a pas, de risque, il n'y a pas de risque qu'on lui refuse un 5 juillet parce qu'à un certain moment, on a lu dans la presse, à la Koulihal, Berlin, il a été proposé un stade à Bouira ou à Khila. Bon, tout là, Diban, Rafazal, parce que le problème qui va se poser à Mohand, c'est Dermann. Oui. Dermann, à quelle heure tu vas jouer le match unique avec le, tu vas mettre comme le confinement jusqu'à quelle heure tu vas jouer le match sur les mecs là bon le problème là le Mouloudia il peut jouer à 20h bon ça se termine 21h30 20h comme il n'y a pas de spectateurs comme il n'y a pas tu peux avoir des autorisations comme ça mais si demain Dermann ils vont autoriser les supporters à venir au stade, ça va se poser un tas de problèmes. Voilà. Absolument. Voilà un peu ce que. Mais oui, avec ma voix d'abord, une autre question, il n'y a pas de souci. Normalement, l'essentiel est qu'il a fait, qu'il y a un merci beaucoup Rachid, il mérite d'augmenter ce qu'il a fait d'un point de situation, il est complet normalement, voilà, mais là, ça ou l'un de normal, si tu restes avec un, je suis bien avec un aïe ou d'un qui se voulait, mais là, ça ou l'un de les supporters, voilà. Il n'y a pas de souci. Tant merci à Rachid. Merci beaucoup. Salut, Aya. Salama. Aya.